Le général de brigade Ghislain Tshinkobo Mulamba est entré en fonction au commandement de la 34e région militaire le 10 juin 2021 en recevant le fanion des mains de son prédécesseur, le général de brigade Kapinga Mwanza Mashita. Dès lors, parti de l'esplanade de la 34e région militaire, il sera actif sur le terrain comme commandant des troupes à diverses circonstances. L'homme du 24 novembre 1970 a été dans les montagnes de Masisi pour matérialiser la vision des redditions volontaires ou forcées des hommes, travaillant dans divers groupes armés. Bravant les collines et montagnes du Kivu, feu général Ghislain Tshinkobo Mulamba s'est illustré comme moraliste à diverses circonstances, parlant aux militaires et aux recrues. Parce que l'armée n'est pas un dépotoir. Non! Parce que les gens ont toujours en tête que non, ce qui moana a coquille ma cambote, c'est faux. L'armée, c'est fait pour les gens dont les têtes fonctionnent correctement. Les têtes sont bien faites. Donc, on ne peut pas être responsable, officier, pour ceux qui aspirent d'être officier, sans avoir une tête bien faite. Tu n'as pas de place ici, parce que la preuve est là. Tu vas nous prouver ici de quoi tu es capable avant d'entrer dans nos rangs et commander nos hommes. Marié et père de famille, le général de brigade Tshinkobo Mulamba Ghislain a connu son incorporation au sein des FARDC en 1997 et a fait toutes les hautes études militaires et de renseignement. Il a été attaché de défense à l'ambassade de la RDC au Kenya, chargé de renseignements dans des régions militaires en RDC, avant d'être affecté à Goma où il tire sa révérence en état intégré dans cette société. 34e région militaire. Nde yangona lobi boyei malamu. Soda azaga mupayate. Soda atikana kozala mupayata mukolomo kote. Po soda aza soda ya republik. Na yebi kebo utaki lukusa. Bomikuti na bunia lelo bozai na goma. Bokomi na goma. Botikali ba soda ya 34e région militaire. Oyo mokonzi na bino, yeyoyo liboso na bino, aza kosala na bino. Le général de brigade Ghislain Tshinkobo Mulamba laisse une armée engagée sous plusieurs fronts contre les terroristes, les forces étrangères et certains enfants égarés opérant dans les groupes armés. Paix à ton âme, vaillant général.